Coucou. Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers abonnés? Y'a ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite le bienvenu. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo réactionnelle direction la Corée du Sud avec un tout nouveau boys group coréen qui débarque, qui se nomme Just Be, et leur nouveau titre, enfin leur premier titre, des Mitch, et je vois Bang Jungkook. Ça me dit vraiment quelque chose. Produit. Soit, passons. J'ai regardé un teaser et franchement, la musique, ça me prenait au trip. J'étais un petit peu en mode, ça vibrait à l'intérieur de moi. Donc je me dis, ça va encore être un bon son. Enfin, je l'espère. Le visuel des membres était pas mal, il y avait des voix qui étaient pas mal non plus. Donc je me dis, ben ouais, mais tu aimes déjà de découvrir de nouveaux groupes. En plus, le son a l'air pas mal, alors que c'était que le teaser. Et le MV et le visuel des membres m'avaient l'air pas mal non plus. Donc, bah d'office, il faut que je réagisse. Et comme vous me connaissez, bah ouais, c'est pas une surprise. Et c'est parti, je vais découvrir ceci maintenant. Qu'est-ce qu'on entendait? Oh, good morning! Peur de panique. Ouais, c'est des sous-titres en anglais, mais je comprends rien du tout en anglais. Je suis vraiment une quiche. Quelques mots, c'est tout. Oh. Ça me fait penser au MV des. À plusieurs MV d'EXO, je sais pas pourquoi. Bon, après, bon, on peut pas dire copier-coller, hein. Il y a tellement de concepts qu'à la fin, tu sais plus ce quoi faire, hein. On dirait des sortes d'expériences pour le sport ou quoi, tu vois. J'aime beaucoup les rap, hein. Ouais, ils ont un truc dans leur regard. Ils sont 6, on dirait. Ouais. Ouais. Encore un nouveau son dans ma playlist. On va pas trop danser, c'est dommage. Je veux voir plus. On voit juste des poum et poum. En tout cas, le visuel des membres, je suis clouée sur place. On dirait en fait que c'est que du sport. Apparemment, le football américain, hein. Ils prennent des médicaments, des sortes d'expériences pour gagner une sorte de force, un peu comme Hulk. Je sais pas. Par contre, je comprends pas pourquoi ils sont tout le temps en tenue sportive. Là, on dirait qu'ils sont sur un ring de boxe. Et pourquoi ils ont des tenues classe, à un moment donné noires, un peu épaulettes en mode soldat? Je trouve ça un peu incohérent, je trouve. On dirait que c'est virtuel. Est-ce qu'ils s'imaginent à cause des médicaments? Ils sont peut-être dans un hôpital psychiatrique, je sais pas. Oui, je parle beaucoup, mais je sais faire deux choses à la fois. J'adore le refrain. Ça, si j'aime beaucoup ce pas. Ah, j'ai trop hâte pour les comebacks des Kingdoms, moi, demain. Je vais être en PLS. Ah, la pluie, oui. Oui. Mais on voit vraiment des moments un peu brouillés, comme si ils s'imaginaient ça. Ok, ils arrêtent les médicaments. Est-ce que les médicaments ont une trop grande emprise sur eux? Waouh. Ah, ils sont très doués en danse aussi. Ils en ont marre. Ils se révoltent. Ok. Alors, franchement, pour un début, j'aime vraiment beaucoup. Par contre, l'histoire du MV, pas trop compris, non. Pourtant, je suis pas débile, hein, je vous assure. Mais j'ai l'impression qu'ils étaient en sorte d'expérience. Ils veulent prendre des médicaments, peut-être des compléments pour avoir une force ou alors une vitesse. Je sais pas, on dirait que ça mélangeait un petit peu du fantastique à de la science-fiction.
Après, je trouve que le MV est quand même bien tourné. L'histoire est très intrigante. Et j'ai l'impression qu'on avait repris plusieurs thématiques de plusieurs MV du boys-group coréen EXO. Après, j'ai envie de te dire, moi je m'en bats les steaks si on reprend un petit peu des concepts de droite à gauche, parce qu'il n'y en a pas des millions et des millions des concepts. Donc ça, franchement, je m'en fous. Je dis pas du tout que c'est un plagiat, loin de là. Il y aura tout le temps des similitudes qu'on retrouvera, ce qui est normal. Mais j'aime beaucoup le visuel de chaque membre. Après, je connais pas encore leur nom et je vais peut-être pas m'attarder dessus. Juste écouter le son, profiter de la bonne musique, parce qu'avec tous les groupes qu'on connaît actuellement, comment tu veux te retrouver, avec quel nom, nana. Et en plus je prononce tellement mal les noms, soit je pars mais n'importe où. Ce que je veux dire, c'est que j'aime vraiment beaucoup la chanson, surtout les refrains, je trouve ça très dynamique. Franchement, je trouve que c'est quand même une bonne chanson pour l'été, en boîte, tu me vois bien avec un cocktail, pardon, et danser sur cette chanson, mais sans problème. En parlant du visuel des membres, comme je le disais précédemment, je sais pas, on dirait qu'avec leur regard, ils te clouent sur place. Limite, j'ai l'impression qu'ils allaient me tuer. Mais tuer dans mon cœur. Non, je rigole, je fais n'importe quoi. Non, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont un très très bon visuel. On le voyait déjà dans le teaser, mais dans le MV, waouh, ça m'a impressionné. Leur jeu de regard, leur sérieux. Vraiment, mais comme s'ils te pénétraient en toi et qu'ils te disaient, ouais, aime ma musique, quoi. J'avais vraiment l'impression que c'était comme ça. Ce que j'ai beaucoup aimé dans le MV, c'est comme je vous disais, l'histoire est très intrigante. Tu te dis, mais c'est quoi ce bordel? Donc franchement, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez compris, parce que j'ai vraiment l'impression que c'était des sortes d'expériences pour être plus fort dans leur sport. Puis on les voyait s'entraîner, puis une rébellion quand ils jetaient la pilule bleue dans les toilettes. Là, il prend la chaise, il détruit cet écran où ils apprenaient des cours ou des stratégies, je sais pas. C'était un peu perturbant, je sais, je me répète dans mon analyse, mais vous avez l'habitude, je pense. Mais oui, pour moi, c'est un début vraiment réussi, j'aime énormément la chanson. Et je trouve que le MV a été bien travaillé, les prises de vue, etc. À part, je comprends pas pourquoi ils avaient des costumes d'un coup en mode mais militaire avec ce doré et tout. Je trouvais ça pas très cohérent, mais bon, pas dérangeant non plus. Le make-up, pareil, les tenues, franchement super. Donc dans l'ensemble, c'est bien homogène, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai hâte d'écouter quand même leur premier mini-album. Et je pense que ça va être encore un groupe dans ma longue liste à suivre de près. Et vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai pas ennuyé. Tout simplement, non je rigole. Et vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié leur début. Que ce soit la chanson, le MV et ma réaction à ces... Voilà quoi, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve à très vite pour une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous, c'est ce qui est le plus important. Au revoir, bye bye, sayonara.